humaine. Amen. Un être humain. Tout compte fait, il a tué, il a mangé, il est rassasié. Mais la possibilité d'expérimenter la bonté de Dieu. Vous savez, Dieu il est bon, hein? Quelles que soient tes fautes, Dieu est bon. Amen. Lui-même, il a décidé de t'être délivré de la sorcellerie. N'est-ce pas? Je vais laisser. Je vais laisser. Est-ce que sorcellerie, c'est bon? Il est resté un peu longtemps parce qu'on veut le protéger. Ça, c'est important. Les gens ne veulent plus le voir. Or, il a aussi droit à la vie. Il a aussi droit à la vie. Moi, je ne peux pas laisser un être humain. Non. Je ne peux pas laisser. Sachant qu'ils vont le tuer, il dit, ok, prenez le tout. Oh non, non, non. Je vais l'amener à expérimenter lui-même la bonté de Dieu. C'est important. Lui, Dieu. C'est vrai. Il faut que Dieu le délivre et qu'il expérimente la bonté de Dieu. N'est-ce pas? Dieu est bon. Amen. Sinon, ce qu'il allait te montrer. Ils sont venus sur un cas le bras. On a refusé trois fois. C'est quatre fois. Ah, lui me dit quatre. Il dit quatre. Oh, il dit quatre fois. Il y a eu les tentatives pour le prendre, pour l'envoyer, on a refusé. Il vient négocier nous. Non. Il dit non. Non, il est sorti. Le contre, il a dit, mais il est sorcier, le prophète de quoi? Il dit, je ne protège pas un sorcier. Je protège un être humain qui a décidé de se repentir. Il a décidé d'abandonner la sorcellerie. Vous voulez faire son procès, il est le condamné, le détruit. Amen. Or, oh, les dames qui étaient prêtes à lapider la dame, je lui dis, celui qui n'a pas les péchés, il prend la pierre et jette. Et nous sommes tous partis. Ils sont venus, ils ont pris les péchés. Mais... je ne protège pas sorcier. Hein. J'aide de celui qui veut abandonner la sorcellerie. Or, s'il abandonne la sorcellerie, c'est quelqu'un qui a plein de secrets. Il est doté de beaucoup de secrets. Il maîtrise beaucoup de choses. Amen. Je vais laisser. Hein? Mais il s'est fort sorcellerie. Délivré. Mais tes parents voulaient te délivrer. Eux, délivrance à 5 minutes. Chacun marchait, chacun au gourdin. On est microbe. Il dit, c'est comme les microbes. Ils veulent le délivrer. Qui pour moi là, c'est trop lent. Ils vont le délivrer vite, vite. Ils vont le dépêcher. Maintenant, ils se cachent. Ils viennent fuir, ils vont dans les champs, ils sont cachés. Ah, vous voyez ça? Vous voyez que la vie là, c'est intéressant, non? S'il vous plaît. Et là, le monsieur, il sait que la vie est intéressante. Il se cache. Oh, tu enterres les gens. Tu vois que la vie, c'est intéressant. Vivre là, c'est bon. Et toi, tu vas tuer 843 personnes. C'est intéressant de vivre, non? Hein? Si. Tu as tué. Hein? Ma propre décharge. C'est pas de quoi? C'est le sorcellerie qui a fait ça. Quelle sorcellerie? Hein? C'est mauvais esprit. Mauvais esprit, s'il vous plaît. Nous sommes en plein programme. Vous avez mauvais quoi? Mauvais esprit. Il est où, mauvais esprit? Il est dans mon chemin. Hein? Il est dans mon tête. Il est dans ta tête. Moi, je coupais tête où j'étais. C'est un Seigneur. Je ne veux pas s'en vivre. Hein? Je ne veux pas s'en vivre. Tu ne veux plus ça? Oui. Mais tu mangeais là-bas. Quand tu tues, tu manges. Non, pardon. Quand tu tues, tu manges. Hein? C'était doux, non? Hein? C'est doux, non? La moyenne pour tout. Elle sort, etc. Hein? Maintenant, tu veux laisser. Je vais laisser ça. Il faut enlever le mauvais esprit. C'est ça qu'il fait. C'est le mauvais esprit qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Ah! Lâche-le au nom de Jésus. Je maudis ta présence dans ce corps. Tu le libères au nom de Jésus. Fais! Quitte son corps au nom de Jésus. Quitte. Quitte son corps. Comment? Quitte son corps. Prenez-le. Allez le délivrer. Tu es. Il faut les débarrasser de ce démon. C'est un démon vert. Oui. Tu es sorcière. Oui, papa.
Qui t'a donné sorcellerie? Moi, c'est ma grand-mère. C'est une belle fille, non? Ok. Ok. Vous aimez marcher comme ça? Vos yeux, on dirait sur tracé, ça brille, ça brille, ça brille. Maman, viens. Maman, viens. J'ai pile. T'as dit quoi? T'as un numéro. C'est Bibi, elle était dans le salon. Elle va te montrer qu'il a mis sur la papaye. Père, à cause de la sorcellerie, là, méfiez-vous. Amen. Amen. La fille est belle, hein? Ça, c'est design. C'est qui en est là, tu connais? C'est ça? Amen. Soyez très prudent. On dit amen. Amen. Le monsieur est bien prudent. Je vous conseille la prudence. Or, quand un sorcier vient, il scanne, il sait ce qu'il cherche en toi. Il peut même prendre ton bonheur, tu l'embrasses, c'est fini. Il a pris le bonheur et va te faire. Les sorciers, ouais, ils sont très rapides. J'ai l'impression qu'on joue avec toi, on joue avec toi, on joue avec toi. Oh, ils ont enlevé ce qui est bon là, ils ont pris ça, ils sont allés manger ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est important, la prudence. Vous voyez, les sorciers. Tout le monde est convaincu que tu es une belle fille. Or, il y a quelque chose qui est dangereux en toi. Dans un village, il y a une fille, elle ne sait pas du nom. Quand tu dis, maman, je... Elle dit, c'est où ça? Ça vient chercher dans ta chambre. Je t'aime, allons dire ça dans la chambre. Elle ne sait pas du nom. Tu es quoi? Elle dit, on va où? Quand vous arrivez là-bas, elle est la première, excusez-moi, c'est déshabillée. Elle te sodomise. Pendant que tu penses que tu es en train de faire les rapports avec une femme, c'est elle-même qui te sodomise. Quand tu quittes là, tu as coco. Et ton ami sort. Elle a donné plein de coco dans le village. Et vous, nous, dans le village de grand là-haut, coco. C'est qu'elle a commencé à faire les habits, elle a dit, oh, pas ça. Il y a plein de dans la foule. Une belle fille. Amen. Elle est belle. Elle ne sait pas dire non. Quand quelqu'un vient dans le village, c'est elle qui d'abord, elle va servir le monsieur. Or, elle avait quelque chose en elle qui était négatif. S'il vous plaît, à cause de la sorcellerie. Qui t'a donné la sorcellerie? Parce que ma grand-mère. Comment elle t'a donné? Un jour, elle dormait, puis elle est venue me donner la nourriture. Puis elle est venue. T'as mangé? Oui, papa. Quoi? Elle a servi du riz, elle a vu la viande ici. Mm-hmm. Et puis, elle n'est pas venue me prendre. Deuxième, je vais pas de pisse, puis elle est venue me prendre, puis elle est partie. Hein? C'est là, elle est venue me prendre, puis elle est partie. On va aller doucement, plus bien, pas rapide, rapide. On va écouter. Le sujet est tellement sérieux, on va être délivré. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu as donné la viande et puis le sang, tu as bu, tu as fait quoi? Elle m'a appris à partir dans le camp. Hein? Elle m'a commencé à envoyer dans les missions. Hein? Puis elle a commencé à accomplir les missions. Tu as tué combien de personnes? Oui, j'ai tué 200 personnes. Oui, ils ont la mémoire. Je vous explique. Comment ils ont la possibilité de savoir le nombre de gens qu'ils ont tués. Je vous explique. Parce qu'ils envoient. On sait que c'est telle personne qui a envoyé, c'est noté. Sans penser de ça, tu as des grades. Tu as une promotion dans le royaume de la société. Donc ils savent, il y a une liste de gens qui l'ont tué, ils savent. Qu'ils ont tué telle personne, telle personne, telle personne. Et c'est ça que c'est la sorcellerie consciente, pas inconsciente. C'est conscient qu'ils font. Ils le font. Amen. Donc il y a une sorcellerie qui s'est développée, qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Quand vous partez dormir, que vous voyez que vous mangez en rêve, constamment en rêve, venez vous faire délivrer. Cherchez à vous faire délivrer. Parce qu'on va commencer à préparer ton esprit à manger la chair humaine. Il va commencer à t'abord t'initier. Amen. Doucement, 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 préparer ton esprit. Et puis, un moment, ils vont t'appeler dans le royaume de la sorcellerie. Commencez à t'initier. Tu
Mais tu sais pacte avec eux. Pardonner la chair humaine cette fois-ci. La viande qui est la chair humaine. Ils peuvent te donner du sang. Ils peuvent te dire, bon, désormais, tu fais partie d'une confrérie. Il faut taire tout ce qui se passe ici, ne dis pas. Sauf cela, quand on les fait faire les aveux publics ici, publiquement ici, ça détruit un pacte. Donc, tu sais, les alliances, les pactes. Or, chez eux, il ne faut pas faire les aveux publics. C'est interdit. Or, en le faisant, ils brisent le pacte, carrément. Amen. Sauf cela, c'est une stratégie importante pour eux. Or, après les aveux, il y a l'étape de la délivrance. Si elle a fait des aveux, qu'on n'a pas chassé le démon qui en est, elle demeure sorcière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont conscients, ils savent qu'ils ont tué telle personne. Ils savent que telle personne est programmée, elle doit mourir tant, tant. Ils sont les plus organisés. On dit Amen. Amen. Je sais que ce combat-là, tout le monde doit se mettre dedans. Ne soyez pas violents. Mais il faut sensibiliser les gens autour de vous. Faire comprendre que ça existe. Amen. Amen. Les blancs, mais qui pensent qu'ils sont superstitieux. Ah non, ils sont chez les blancs. Ils aiment croire au truc. Ils aiment croire au truc. Ils étaient les premiers à combattre la sorcellerie. Les blancs, au Moyen-Âge, ils ont combattu les sorciers. Du 15, 16, 17e siècle, ils ont pris 3 siècles pour détruire les sorciers. Ils ont connu cette glorieuse. Effectivement, quand ils finissent de détruire la présence de la sorcellerie, c'est la gloire. Or, vous savez, ils ont la capacité de vous retirer la carte mémoire. La mémoire, la carte mémoire, c'est ça qui nous donne la capacité de retenir des choses, la mémoire. Quand on dit quelqu'un intellectuel, tu as la capacité de retenir. On te fait une leçon, demain tu reprends la même chose, c'est la mémoire. Or, il vient de tout ça. C'est-à-dire qu'il a pris son intelligence. Vous voyez, après qu'ils sont rentrés dans le 18e siècle, que le siècle de lumière, on a commencé à voir les grands savants. C'est ce qu'on appelle la révolution industrielle. Amen. On a commencé à voir les grands savants et tout ça. Parce que la cause étant combattue, les gens laissent les gens la nuit. Et c'est là, les gens commençaient à jouer le fruit de leur travail à l'école et tout ça. Donc là où la sorcellerie est combattue, paf, le développement entre. Vous savez qu'allez voir Zaroko, vous allez comprendre que le développement, ils ont commencé à faire la route des Zaroko. Ils ont commencé à faire la route des Zaroko en Doisville, les Zaroko, la voie est faite maintenant. Regardez au niveau des Digo, ils sont en train de refaire la voie. Parce que là où la sorcellerie est combattue, le développement entre lentement. Les sorciers, vous voyez, ils sont anti-développement. Amen. À une fraction de seconde, on peut détruire ta vie. Soyez très prudent. Amen. Quand tu as tué 200 personnes. Comment tu t'arrêtes pour tuer les gens? Quand je m'en j'appelle la pile et la comment tu fais? Quand je m'en vais, j'invoque les